Donc deuxième match, peut-être le dernier. Donc un peu d'encouragement pour les finalistes pour la troisième place. Allez, il y a du public pour Makoto là. Makoto qui est très speed, qui attaque Ayate, qui saute, coup de pied, hop, coup de pied encore. Très aérien, push, casse brique dans le vide. Chop, il le casse au sol. Oh là là, il a la fin, il va mettre peut-être un perfect. Allez, Makoto, oh là là, Ayate dans le vide. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, pas de perfect, mais n'oublions pas que Aubert peut remonter toute la barre. Et non, car il avait quand même pratiquement deux super avec Chun-Li. Alors là, Makoto s'est littéralement vengé. Chun-Li n'a pas eu son mot à dire. Oh là là, c'est Karachop. Ça joue dans le coin, Chop. Chop, il veut placer son bas middle. Il veut placer sa super, il a envie, il en a deux. Makoto qui tente de pressing, deck, pari, Bamiki qui passe sans super, super. Et c'est parti, deux hits en air, et voilà. Makoto qui ne doit qu'avancer maintenant, il ne peut plus jouer à la vie. Il avance, il chope, c'est parti, il rate sa punition, il passe dans le dos, il tape. Makoto très posé, malgré la différence de vie, continue à se battre jusqu'au bout. Oui. Oh là là, chop spécial au point. Avec Ayate. Oh là là, c'est très chaud là, c'est bouillant. Et voilà, Chun-Li qui reprend le round de très peu. Peut-être le dernier round. Pour l'instant en l'air, on ne voit que Makoto. Et voilà, une Fury. Saut, deux hits. Et hop, pressing dans le coin. C'est parti. Makoto qui tente de represser mais qui se fait contrer. Tech, contre, chop. Chun-Li connaît très bien le larron, il joue souvent avec, c'est son sparring partner. C'est assez sûr là, il passe rien. Une musique de merde derrière. Bamiki qui passe en rien. Push dans la garde. Chop spécial dans le vide, push. Chop spécial dans le vide, super dans la garde. Punition. Et non, il ne punit pas alors qu'il aurait pu tout régler en un combo. Il va le faire maintenant, il est chaud, il a faim, non. Oh là là, c'est la folie, qu'est-ce qui se passe? Et voilà. C'est très chaud, hein.